vous situer un peu l'état de la menace dans notre pays. Vos confrères de l'AFP ont révélé il y a quelques semaines de ça, c'est d'ailleurs passé relativement inaperçu, qu'un groupe de 6 personnes, dont une partie était fichée S une fois de plus, prévoyait de commettre un attentat de grande ampleur dans un village rural en Bretagne, dans lequel ils souhaitaient massacrer en une nuit l'intégralité des habitants de ce village. Alors nous avons eu la chance ce coup-ci d'avoir nos services et nos forces de l'ordre, évidemment, qui les ont interceptés à temps. Mais moi, je ne veux pas attendre qu'il y ait un jour un trou dans la raquette et que ce genre de massacre puisse advenir. Je le rappelle, parce que ça, c'est quand même important. Il y a 5000, une fois de plus, fichiers islamistes dans notre pays. Il y a 4900 agents de la DGSI. Et eux-mêmes indiquent qu'ils ne sont pas en capacité humaine et matérielle, au regard aujourd'hui du flux d'islamistes, de pouvoir assurer une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de l'ensemble de ces bombes à retardement. Et il est évident qu'on peut être un policier jour et nuit derrière chacun de ces fichiers. Donc, il faut que ça apporte une réponse. Et la réponse immédiate, c'est d'abord de protéger, évidemment, ces Français dans l'immédiat et en urgence.